Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour un nouveau numéro de l'émission Super Friends. C'est votre rendez-vous audio pour aller à la rencontre des personnes qui font vivre la culture comics, la culture BD et la pop culture par leur travail au quotidien. Et aujourd'hui, on va accueillir... Un invité qui est déjà venu pour une œuvre qu'on a déjà abordée, mais on va faire les choses un petit peu différemment cette fois. Je veux parler de Yojimbot, la bande dessinée de Sylvain Repos, que nous avions fait découvrir, découvrir pardon, euh, il y a un an déjà, avec euh, les, 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 parmi nos premiers Super Friends de, de l'année déjà. Et le tome 2 sort en ce moment chez Dargo. Et donc, bah, on n'allait pas louper cette occasion pour réavoir Sylvain avec nous. Salut Sylvain. Bonjour Arnaud. Ça va bien Ça va très bien. Eh bien, je suis content de te revoir avec nous, mais justement, j'ai dit, on va pas refaire la même chose, puisque euh, il faut un petit peu varier les plaisirs. Et donc, aujourd'hui, on a également avec nous Thomas Ragon, qui est l'éditeur de euh, but euh, bonjour, bonjour Thomas. Bonjour. Tu vas bien aussi, Thomas Ça va très, très bien. Eh bien, c'est parfait, puisque j'aime que les gens aillent bien quand ils viennent dans le podcast. C'est euh, la bonne ambiance qui prime et qui nous caractérise un petit peu, justement. Euh, je vous invite à réécouter le premier Super Friends Yojimbot avec Sylvain Repos pour avoir vraiment tout le parcours de, de Sylvain qu'on avait quand même abordé dans, dans pas mal de détails. Il me semble qu'on a tout fait de ma naissance à l'année dernière. Tout ça, c'est ça. Gros, y avait... gros, il y avait tout, grosso modo. Mais Thomas, par contre, on ne t'a jamais reçu. Euh, tu n'as jamais répondu aux invitations avant, <laughs> ce qui est un peu curieux quand même. Hein. Mais euh, aujourd'hui, tu ouais. es là. Bah oui, je me réservais pour Sylvain. C'est ça. Et, euh, et donc, j'ai envie tout simplement, bah, vu que c'est la première fois que, que tu es dans ce podcast, quand même que tu te présentes un petit peu. Est-ce que tu peux nous parler de, de ton parcours euh, en tant qu'éditeur alors, alors, en tant qu'éditeur, euh, donc je suis éditeur en gros depuis euh, la, la fin des années 90. Donc, euh, ça commence à dater. Euh. J'ai commencé, euh, commencé mon parcours aux éditions Delcourt. Euh, où je suis arrivé en 1996 très précisément, où j'étais euh, homme à tout faire. Euh, on n'était pas très nombreux euh, à l'époque. Et puis, bah, très très vite et assez naturellement, je suis devenu éditeur un beau bon jour. Je me suis réveillé, je me, je me suis dit tiens, en fait, euh, en fait, je suis éditeur. Euh, je savais pas vraiment que ça existait avant. J'ai pas fait d'études pour ça. Euh, donc, euh, pour en arriver là, euh, le parcours, bah, c'est d'être, euh, c'est d'être évidemment un vrai gros passionné de bande dessinée au, au pluriel dans, toute le, dans toutes les dans toutes les acceptions du terme. Euh, avec un gros tropisme quand même, euh, peut-être ce qui a, ce qui a intéressé Guidelcourt à l'époque, c'est que à la fois je parlais anglais et que j'étais très au courant de ce qui pouvait se passer aux États-Unis. Aux États-Unis, dans le monde anglo-saxon, euh, donc j'ai commencé à lui proposer, euh, je sais pas, des auteurs comme euh, Adrian Tomine, euh, Charles Burns, euh, Chris Ware. Euh, donc j'ai bossé sur ce genre de bouquins, toute la collection Contrebande à, à l'époque. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait Hellboy, euh, par exemple, qu'on avait repris euh, après les éditions du Téméraire, si je me souviens bien. Ah, voilà. Donc ça, c'est déjà de la préhistoire pour vous, qui, a, qui, qui avait deux, qui êtes deux fois moins âgé que moi. Euh, et puis ensuite. Euh, Bon, J'avais aussi beaucoup d'auteurs euh, en création, euh, des auteurs français la plupart du temps, euh, avec malgré tout aussi un, un intérêt euh, pour ce qui se passait en dehors des frontières euh, françaises. Donc j'ai travaillé avec pas mal d'auteurs étrangers, euh, des Italiens, des Espagnols, des Argentins. Euh, voilà, l'Asie, euh, mais mais un peu étrangère parce que c'est tellement spécialisé enfin euh, c'était déjà spécialisé dans les années 90 avec des parcours très précis avec des agents euh, les éditeurs japonais tout ça c'était un peu c'était beaucoup plus loin beaucoup plus compliqué. Donc en fait c'est un peu toute la bande dessinée mondiale qui m'intéresse avec euh, cette euh, toute petite frustration de de pas avoir mis les deux pieds euh, au Japon ou en Corée ou en Chine même si après j'ai travaillé avec des Chinois aussi en, en création donc voilà après ça après je suis arrivé chez Dargaud euh, une dizaine d'années plus tard où j'ai continué mon travail avec euh, des nouveaux auteurs tout le temps euh, donc là voilà. essentiellement sur de la création alors maintenant oui parce que Dargo est une maison où alors déjà on publie beaucoup moins de beaucoup moins de livres donc il euh, y a il y, y avait il y a une tradition d'achat de droits euh, pour, pour parler jargon euh, édition, il euh, y a une tradition d'achat de droits chez, chez Dargo, mais qui, est, qui était très, euh, qui était, qui était très axée licence, euh, très grand public. Donc il y a eu Disney, et puis il euh, y, y avait les Peanuts, quand même, de, de Charles Schulz, le Snoopy, en, en France. Quoi. Donc euh, quand je suis arrivé, il y avait surtout Peanuts, en fait, dont j'ai hérité. J'étais très heureux, je suis très très fier d'avoir pu faire l'intégrale des Peanuts euh, en 25 volumes, là, qui s'achèvent. Et puis, bah, j'ai quand même apporté euh, des choses comme Paul Pope, euh, Sean Tan, enfin euh, bon, bon, voilà. Mais c'est un peu moins volumineux, mais de toute façon, c'est moins volumineux chez Nargo, ce qui est très intéressant. Et c'est quelque chose en fait qui découle aussi de tes choix de lecture, c'est-à-dire que la bande dessinée américaine, toi, t'intéresse depuis longtemps alors. Oui, oui, oui. Alors moi, en, en tant que lecteur, j'étais, j'étais lecteur enfant euh, très, très franco-belge. Hein. Moi, c'était Spirou et Tintin. Euh, donc enfant, donc dans la, la Vanguard froide alors. Quelque chose comme Exactement, ça, ça, ouais, 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 avant la première guerre mondiale. Ouais, euh, ça aussi, voilà. ouais, je te disais. Et, <laughs> euh, et ensuite, j'ai complètement arrêté d'en lire et j'ai recommencé vers 14, 15 ans. Et, et, ce, et ce qui m'a fait euh, recommencer à lire de la bande dessinée, alors c'était, euh, c'était euh, les premiers pas de, de, de bande dessinée d'auteur de la fin des années 80, 80, début 90. Et puis, euh, le gros choc. Le vrai gros choc euh, qui m'a fait regarder ce qui se passait euh, de l'autre côté de l'Atlantique, ça a été à l'Admour, en fait. Quoi. Euh, ça a été Vépour en état, les Watchmen. Euh, et puis là, bah là j'ai creusé euh, petit à petit. Et puis je suis allé vers l'Ande de grande. Et puis euh, voilà. Et puis après, bah, après tout quoi. En fait, enfin, je suis un boulimique de lecture. Euh, pas qu'en bande dessinée, mais euh, voilà. Donc c'est ça l'origine. C'est plutôt à D'accord. Que j'ai pu rencontrer, éditer, ah ouais euh, voilà, c'est euh, donc euh, ouais, c'est un gros, gros, gros passage. Il est comment à l'amour C'était comment de le rencontrer À il est. Euh... On en connaît peu des gens qui l'ont rencontré. Alors, alors il ouais. est. Alors en fait, d'abord, ça a été au téléphone. Hein. C'était très, très drôle. On peut, on peut le dire, on peut tout dire ou dans oui, oui, ah, ce oui, podcast oui. ou pas Parce que ah, en fait, oui, oui. donc, le, en fait, quand je l'ai appelé, c'était pour From Elle. C'était pour l'édition de From Elle. Euh, qui était assez particulier parce qu'on s'est retrouvé avec euh, Jean-Paul Genkin le traducteur, avec un bouquin qui n'était pas fini en fait. C'est-à-dire que dans les, les, les dizaines de pages de notes qu'il y avait à la fin de, de, de la première intégrale de Fromel il y avait, il y avait des textes qui n'étaient pas finis, il y avait des phrases pas finies. Euh, donc, donc on a voulu les finir. Euh, donc j'ai appelé, euh, j'ai appelé Alan Moore via son via son agent, enfin son représentant, et on m'a dit alors pour appeler Alan Moore c'est à la fois très simple et très compliqué, donc euh, il faut l'appeler entre, je veux dire sans doute une connerie, mais c'était en gros entre 18 h et 20 h parce que avant il dort et après il a trop fumé. Donc euh, <laughs> et alors j'ai appelé Alan Moore et puis bah, je me suis d'abord heurté à son à son foutu accent de Northampton qui est qui quasiment indé indéchiffrable, indéchiffrable quoi. C'est vraiment euh... donc le premier appel j'ai fait semblant de comprendre, j'avais rien compris C'était redoutable. Et t'as fumé du coup pour être. Euh, ouais lui... non ça on va pas le dire pour mais, euh, mais pour pouvoir communiquer pour pour pouvoir être <laughs> sur la même longueur d'onde que lui ouais non non mais après il est enfin euh, c'est en fait c'est un vrai c'est un vrai professionnel hein c'est c'est il est à la fois fou furieux mais dans le bon sens quoi c'est un c'est un pur génie euh, et la, la première rencontre avec lui c'était euh, bah c'est ça reste un ça reste un brit quoi donc c'est euh, il y a une certaine distance Tant que t'as pas bu, euh, as pas bu trois euh, pintes au, au comptoir <laughs> du du local, es, c'est compliqué quoi. Mais bon, non, non, mais adorable quoi, adorable. Un, un Neil Gaiman, c'est plus facile par exemple. D'accord. Ouais. <laughs> il est beaucoup plus à court. Et parce que t'as que as pu rencontrer aussi quoi. Ouais, 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 ça, ouais ça, bah, Il était venu en Angoulême. On... Tu vas oui, faire bah des oui, on a fait, moi j'ai fait Sandman, enfin <coughs> voilà quoi stylé mon éditeur, <laughs> il est quand même pas mal effectivement. Tu nous as, en... je, tu... je lâche de l'anecdote, euh, ça... <laughs> tu nous avais caché quelques quelques petites choses. Bon après choses. ça c'est une notoriété publique, euh, le, 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 les, la consommation d'herbe. Ah oui oui, de bah, toute façon de il, a, miel, bah, il avait donc, même euh, fait, s'en cache pas, c'est très bien. Un... Pour moi c'est un héros. Hein. Que ça soit sa position vis-à-vis -vis des éditeurs, c est, c est... je comprends même pas comment les, comment les des lecteurs ou les professionnels de... américains ont, ont pu à un moment lui tomber dessus à bras raccourcis. Je sais même pas pourquoi. Je, ça ça m'échappe complètement. Bah, à l'argent Ouais, mais enfin, il a quand même refusé de prendre de l'argent les, les... parce que d'un point de vue éthique, ça lui paraissait insupportable. C'est incroyable. Quoi. Ouais, mais bon, c après le c'était l'éthique que certains avaient que d'autres n'ont pas. Du voilà. coup, là, okay. Tu m'as pointé quand tu as dit d'autres n'ont pas non, <laughs> du tout, non, non, mais non, pas absolument pas, Sylvain. Que, que me fais-tu comme procès euh, Qu'est-ce que c'est un bon éditeur Comment on fait euh, bien son travail d'éditeur euh, C'est la question qui tue d'emblée. Euh... Ah, bah, on attaque, hein, on est là. Euh... Bah, un bon éditeur, c'est celui qui permet à l'auteur de faire un bon livre, en fait. Et donc, ça, et donc, il n'y a pas, il y a pas une seule réponse parce que ça, ça dépend de, ça dépend de chaque auteur. Il euh, y a des auteurs qui ont besoin d'avoir un éditeur qui soit sur leur dos en permanence. Il euh, y en a qui ont besoin d'avoir un punching ball qui s'appelle éditeur et c'est très bien. Il euh, y en a qui ont besoin d'un paillasson. Il y en a qui ont besoin d'un psychiatre. Euh, tout est bon et le, le, le but ultime, c'est de faire un super livre. Alors ça, 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 ça peut foirer, ça peut marcher. Euh, J'ai pas de recette en fait. Moi, ce que j'essaye de faire, c'est de. Et je sais pas si je suis un bon éditeur en fait. Je, en fait, je m'en fous parce que le, le, le a... C'est le genre de métier où on n'a pas vraiment de recul. On est toujours dans le livre d'après ou dans le livre du moment qu'il faut boucler, qu'il faut faire. Euh, c'est, c'est. Euh... pour ça que c'est un métier passionnant d'ailleurs. Hein. C'est qu'on, on n'est pas là pour se regarder parce qu'on sait pas ce qu'on fait en fait. Parce qu'à chaque fois, c'est différent. Parce que chaque, chaque auteur étant différent, évidemment, comme chaque individu, euh, c'est toujours complètement différent, quoi. Et ce qui est intéressant aussi, c'est euh, bah, d'arriver à se comprendre. Au début, on, on, au début, c'est deux inconnus, euh, c'est deux inconnus, quoi. On, on sait pas, on sait pas vraiment qui est l'autre. Alors, on peut très bien rester des inconnus et ça peut très bien marcher, et fonctionner. En restant vraiment très pragmatique ouais, et professionnellement. Et voilà, ça peut. Mmh. Euh, bon, c'est pas forcément ce qui est le plus agréable, mais l'idée, c'est de se découvrir et d'arriver à se comprendre et de, avec le but de faire des livres qui fonctionnent, qui nous fassent plaisir mutuellement. Euh, voilà. Et puis il bah, y a des fois où ça, où ça, marche super bien, où on peut même devenir amis. C'est ce qui est pas fa forcément facile. Euh, parce que ça reste un métier avec euh, voilà ces deux positions qui sont qui sont pas antagonistes mais qui sont il pas forcément tout, bien sont pas forcément les mêmes quoi. Mmh. voilà et, euh, et c'est aussi à ta charge alors dans, dans ton rôle d'éditeur de aussi euh, trouver euh, les, les nouveaux auteurs et artistes que tu veux publier ouais ouais, ouais c'est ça il enfin, y a il y, y, y a le il a une partie de, de il y a une espèce de schizophrénie en fait qu'on est on doit être à la fois à la recherche de à la recherche de, de nouveaux projets euh, de nouvelles personnalités, de, de, de nouveaux auteurs et artistes. Et en même temps, il faut aussi se freiner parce que le, le, le but, c'est hyper simple de multiplier les contrats de faire on va dire ouais super on va faire 40 livres l'année prochaine sauf qu'il faut les faire les livres après il faut payer les auteurs ouais enfin bon alors moi je suis dans une grosse maison donc c'est pas trop c'est pas trop le sujet on peut les payer mmh. euh, non le 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 le, le truc c'est qu'il faut les faire pour de vrai c'est à dire que il faut les lire il faut les éditer il faut discuter il faut savoir il faut discuter avec l'auteur de, de, de sa couverture de son il faut scénario faut de accompagner ses... le projet voilà il faut ouais. vraiment accompagner le projet et ça ça doit rester la priorité en permanence mmh. Euh, c'est toujours le danger en fait de, de, de se dire a, on a vite fait de s'enflammer en fait, c est, c est le, le plus difficile c'est de dire non, euh, le plus facile c'est de dire oui à quelqu'un, dire oui super on va faire ton livre, et puis après euh, et après t'es plus là parce que t'as plus le temps mmh. voilà, c'est une gestion du temps beaucoup quoi et de l'investissement euh, à plein de niveaux qu'on peut mettre euh, sur tel ou tel livre. D'accord. Comment ça s'est passé alors euh, votre première rencontre euh, à, à tous les deux Puisque c'est. Alors, tu tu, moi, je me rappelle dans le podcast, tu m'as dit que tu étais allé soumettre ton, ton, bah, ton dossier, ton, ton projet euh, chez, chez Dargo. Voilà. Oui, oui bah, d'abord, déjà, je l'avais présenté à d'autres maisons d'édition. Et justement, j'avais eu déjà un premier accueil euh, euh, chez, 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 chez un concurrent, du coup et euh, qui s'était pas forcément hyper bien passé, j'étais arrivé dans une dans, dans une grosse structure où ils avaient t -t tous costard costar cravate, c'était assez euh, c'était assez aseptisé et, euh, et justement, on m'a fait vite comprendre que j'allais devoir moi rentrer dans un moule. Et du coup, après j'ai proposé aussi ma BDA BD à Dargo. Et là, je suis arrivé et j'ai été accueilli d'abord par l'assistant d'édition avec un t-shirt Elfest. Du coup, je me suis dit Ok, est, déjà, on est, un peu plus détente, déjà hein. on est pas mal. Et puis je crois <laughs> que c'était en plein été, du coup Thomas était aussi en t-shirt à la cool. <laughs> J'allais dire, ouais, il était en short claquette. <laughs> voilà, non, mais ah. il, était, il, était, il était un peu à la cool. Et du coup, j'ai fait, ah bon, déjà c'est une autre ambiance. Et ils m'ont vraiment bien accueilli, ils m'ont ils écouté, ils ont écouté euh, mon, mon projet, ce que je voulais, ce que j'attendais. Après, ils m'ont commencé à me dire ce qu'ils qu pouvaient me proposer. Du coup, ils m'ont plus accompagné que dire de, de rentrer dans une case. Mm. Du coup, je me suis senti déjà un peu mieux. Et du coup, après, en plus, après avoir beaucoup discuté avec Thomas, je me suis dit, OK, là, ça match. Quand il m'a montré tout ce qu'il avait, qu avait déjà édité, du Polpop, de. Ah, je ne sais plus, c'est Parker, c'était ouais. toi aussi. Ouais. Ouais, ah, ouais. c'est toi qui as fait ouais, et à Parker, Du okay. coup, j'ai fait, Ah, OK, bon, ben là, je me suis vraiment bien. Et, et en fait, après, tout a roulé parce que. Parce que vraiment, j'étais comme à la maison, quoi. Mmh. C'est-à-dire mais... que c'est l'enjeu en fait, le plus important. En fait, c'est cette première discussion, alors que vous avez entre un auteur et un éditeur. Euh... Pff, oui, c'est vrai que, la, vrai que la, première, la première, prise de contact, mais c'est comme dans la vie, quoi. Euh, mmh. Voilà, si quelqu'un qui était totalement antipathique. Euh, Enfin, je vais pas dire non à quelqu'un qui m'est totalement antipathique si le projet c est absolument, des... absolument ouais, génial. Ouais, voilà. ouais. Mais c'est vrai que ça facilite, c'est pas plus mal, quoi. Voilà. Euh, je, je fais juste une petite parenthèse pour ouais, y si. revenir. Il faut vraiment qu'on qu cite Johan Faumont. Oui, euh, qui, euh, oui, oui, non, non, mais euh, c'est euh, qui, qui est notre assistant éditorial et qui, mm -hmm. qui, a, qui a repéré d'abord le projet arrivé et qui m'a tout de suite dit ah, ça, ça a l'air super intéressant et voilà. Donc euh, merci, Johan. Merci, Johan. <laughs> euh, donc oui, la première rencontre, c'est non, mais en fait, on, on est un peu comme. Euh, voilà, on apprend à se connaître, donc on essaye de on se jauge gentiment. Ça va, c'est pas non plus comme si euh, on allait se marier, faire des enfants ou euh, passer un contrat à, à 25 millions de dollars. Donc, euh... Enfin, il y a quand même un contrat, parce que c'est bien, il y a un contrat que, que vous signez pour, pour le projet, et puis techniquement, l'enfant existe aussi, puisque l'enfant, au final, c'est la bande dessinée. C'est vrai, c'est vrai, ben, magnifique. Ben, voilà, image. Est... Ben, je suis un pro de la métaphore. Ouais, 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 ouais. Euh, oui, alors bon, mais le, le contrat, ça, ça vient en, 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 dans un deuxième. Dans un deuxième temps, enfin... En fait, quand on, on, reçoit, on reçoit un projet, désolé Sylvain, là, ça va être horrible parce que ça te, ça te déshumanise. Euh... Bon, en même temps, il parle de robots. donc le ton. Euh, Non, mais il faut d'abord savoir si on a envie de le faire. donc euh, Une fois que tu as lu, que as, tu te dis ouais, super, tu as, as, as envie de le faire, il euh, y a quand même un, un certain nombre de paramètres. Euh, avant de parler contrat, il y a un certain nombre de paramètres qui sont importants. -à -dire si si tu arrives avec un projet où c'est 800 pages en couleur, où il faut faire des scans, euh, des bleus, euh, payer un coloris voilà c'est pas la même c'est pas la même économie donc on passe on passe du côté on est à la fois dans l'éditorial et en même temps moi il y a eu tout de suite une petite musique assez désagréable mais que je suis bien obligé d'avoir qui est qui est qui est l'économie du, du de l'ensemble l'économie du projet du livre et de l'auteur voilà. Donc euh, euh, quand je sais pas si j'accueille euh, si j'accueille on va dire quelque, quelque chose qui risque pas d'arriver euh, si Zep vient me voir euh, la petite musique économique c'est pas la même qu'avec euh, Sylvain qui présente son premier livre qui est pas connu qui est, qui est voilà donc c'est pas et tout ça c'est il y, y a plein de paramètres euh, différents il y a plein de curseurs donc on essaye de, de jouer avec euh, de rendre la chose c'est très compliqué il faut rendre la chose possible euh, pour tout le monde Mmh. C'est quelque chose qui est abordé alors dès le départ aussi de dire bah mon projet c'est euh, un bouquin, je vais faire 120 pages couleur et après bah euh, si ça doit être du grand format ou si j'ai des idées comme ça, c'est quelque chose qui est abordé dès le départ alors. Oui oui on en a, on ouais. en a tout de suite parlé euh, de, de ce que j'allais faire, de justement la couleur, le, le thème aussi, que ça s'approchait un peu du, du manga comics, qui n'est pas forcément le public euh, mmh. de Dargo. Donc on en a on en a vraiment parlé, que ce soit de la fab, euh, que ce soit de... De vraiment quel public on allait viser avec cet album, c'était jeunesse, si c'était pour tout le monde. Du coup, c'est des questions, ouais, qui, qui arrivent très, très vite ouais. en jeu. Je sais même pas si on en a pas parlé dès la première ah, fois. Ah, si, si, oui, je pense qu'on en a parlé la première ouais, fois. C'est-à-dire qu'il y a un ensemble. Il y a, on parle à la fois de l'histoire, mais, mais évidemment, quand tu rentres, quand, quand t'es dans un projet comme ça, tu, tu, t'essayes de savoir, mais même si, même si la, 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 réponse est jamais sûre, parce que c'est pas une science exacte, tu t'essayes de savoir à qui tu t'adresses. Euh, tu t'essayes de savoir si est-ce que c'est vraiment nécessaire de faire 150 pages? Est-ce que c'est vraiment nécessaire d'en faire 4? Est-ce qu'il faut en faire 8? Enfin, voilà, tout ça, tout ça est lié, en fait, quoi. Donc, tu fais pas un découpage, un découpage économique du, de l'ensemble du projet sans, sans faire un découpage éditorial et, et artistique, quoi. Donc, on en a parlé, effectivement, mais il y a plein de questions qui viennent dans, un, dans tel ou tel ordre. Ça dépend des fois. Euh... Mais je me souviens plus à quel point, à quel moment on a pu parler argent aussi. Mais bon, il y a un moment, évidemment, où on parle argent. Ouais. Évidemment. Euh... Donc, ça, c'est de dire telle avance euh, sur euh, pour combien de temps et, euh, et ouais. tel pourcentage de droits d'auteur, c'est si ça les paramètres à prendre Oui, 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 c'est ça. Oui, ça. Oui, il me semble que c'était juste avant que j'aille au fitness park, je devais aller faire de l'exercice, et puis tu m'avais appelé à ce moment-là, et je crois qu'on l'avait on évoqué, et puis justement, bah, c'est tout le moment aussi où tu, où tu reparles un peu de ma condition de jeune auteur, du fait que je ne suis pas connu, du coup c'est une avance très définie, mais... Euh, mais, mais mais on en a parlé, tu m'as surtout beaucoup expliqué euh, ouais, ce que, ce que ouais. comprenait cette avance, pourquoi, euh, tous les, tous les mmh. frais qu'elle autour aussi. Et puis, euh, puis l'avantage de, de Dargo, c'est que, que tu vois où passe l'argent, quoi. que ce soit, que ce soit pour l'auteur euh, ou, ou la fab ou la, le marketing. Du coup, tu, au moins, c'est l'avantage de, de Thomas qui m'a vraiment tout expliqué de bout en bout. Ouais, bah je, merci, merci Sylvain. Euh, non mais c'est bien. l'idée, euh, enfin moi en tout cas c'est comme ça que je vois le que je vois mon boulot quoi. C'est c'est que c'est pas c'est pas des c'est pas se payer de mots. C'est vraiment pas vain de dire qu'on a les mêmes intérêts quoi. Euh, l'auteur et l'éditeur, c'est-à-dire qu'il faut que ça marche. Voilà. Euh, si ça marche pour l'auteur, ça marche pour l'éditeur et vice versa. Bon après, quand on rentre dans le plus profond dans le sujet, évidemment, il y a des équilibres. On peut en parler. C est, c est, c est, c est, il y a des équilibres dans un sens ou dans un autre. Ça dépend de la position de chacun, quoi, Mais, mais on, on partage vraiment les mêmes intérêts. Donc moi, je veux pas avoir. Enfin, j'ai rien à cacher, en fait. Et une maison comme Dargaud a rien à cacher, quoi. Donc il faut que tout le monde soit aussi clair que possible sur, sur les enjeux, quoi. Voilà. C'est des discussions qu'on voit souvent. Euh... Dans le milieu, mais enfin, surtout dans les discussions entre auteurs, c'est que, bah, notamment pour les premiers, pour les, pour les premières bandes dessinées où, bah, justement, t'es intimidé et du coup, t'oses pas parler Bien sûr. de cette partie-là qui est pourtant, bah, l'économie la, la, la plus importante. Après, aussi. on est, on est, enfin, je, je vais pas, enfin, je, 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 je vais pas mentir, hein, on est toujours dans un, a, on est dans une relation contractuelle, donc il y a un rapport de force qui va ah, avec. Ouais. Donc c'est clair que quand tu débarques, euh, tu, tu sors de ton école ou tu viens présenter un premier projet, t'as jamais publié avant, le rapport de force, il est pas le même que si t'arrives si, euh, si que t'as as déjà fait trois séries qui se vendent à 200 000 exemplaires avant quoi euh, la discussion est pas la même mais c'est logique il enfin, y, y a des logiques à tout ça euh, après le, enfin, très honnêtement le système français euh, du droit d'auteur de la propriété intellectuelle est pas je dis pas qu'il a l'avantage c'est pas du tout ce que je veux dire il est pas du tout à l'avantage des auteurs mais en tout cas il est beaucoup moins sévère que dans la plupart des pays quoi. Mmh. Il est beaucoup moins sévère bon en vrai ça ouais ça vaudra ça vaudra va 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 parce que c'est pas c'est pas parce que c'est huit autres édition euh, émissions ouais, ouais ouais non mais, bah carrément parce bah, que je suis ultra client là-dessus mais après c'est sûr que c'est pas parce que c'est pire à côté que forcément ça veut dire que c'est bien euh, en France on ça, est shirt, bien d'accord oui, voilà. on est bien d'accord euh, et, et, et justement alors mais euh, qu'est-ce qui t'a convaincu alors c'est le moment de passer de la pommade sur le dos de Sylvain un petit peu mais qu'est-ce qui t'a convaincu quand Sylvain t'a présenté le projet euh, ce qui qu t'a convaincu et, bah, et même enfin ce qui t'a convaincu et là où t'as su qu'il y avait peut-être des trucs à changer ou à, ou à corriger. Hein. Alors Sylvain est arrivé avec un, un dossier euh, béton, c'est-à-dire qu'il y avait il y avait il y avait tout, euh, il y avait plein de recherches euh, pour montrer de quoi il était capable graphiquement. Euh, il y avait un, il y avait un, un scénario, il y avait un, un résumé global il euh, y avait des pages évidemment euh, c'était joliment ficelé bon ça on s'en fout c'est pas très grave mais c'est bien ça fait plaisir ça a quand même les éléments constituants d'un bon dossier d'auteur c'est d'avoir donc ah bah, recherche en fait ouais quand on, quand on reçoit un projet euh, le, le pire qu'on puisse faire c'est d'avoir euh, quelqu'un qui qui, qui qui raconte sur 45 pages et en fait qui raconte rien ça veut juste dire qu'il maîtrise pas son histoire en fait donc mmh. un bon dossier c'est un résumé euh, tu dire voilà ça c'est le début le milieu la fin euh, quand il capable de le faire en, en une page euh, déjà c'est au moins que tu sais à peu près ce que tu veux faire euh, voilà donc ça c'était euh, c'était super intéressant et puis bah après les pages les pages et l'histoire parlaient delle mêmes quoi c'était juste mortel quoi euh, direct quoi d'ailleurs on peut juste rappeler que les éditeurs lisent les dossiers qu'ils reçoivent euh, que ce soit par mail mmh. ou par la poste un peu rassurer les jeunes auteurs qui sont pas oui. forcément obligés de choper un éditeur dans un festival pour montrer leur, leur dossier et que vraiment euh, sur les plateformes les plateformes euh, que soient d'argo ou d'autres auteurs ils reçoivent, ils impriment, ils les lisent mmh. et que vraiment, il faut décomplexer les gens de ne pas oser le... proposer le, leur dossier. Est-ce que tu, tu as des onglets de, sur les sites des éditeurs pour aller directement déposer tes dossiers alors euh, Oui, ça existe chez nous. Et puis après, euh, nos adresses ne sont pas compliquées à trouver. Hein, elles mmh. sont aussi sur le site. Voilà, est pas... Nous, on est, euh, on est, euh, on est gr... les portes grandes ouvertes. Quoi. Euh, après, ce qui est peut-être, on lit quasiment tout, effectivement. Euh, on regarde tout, ça c'est sûr. Après, euh, après c'est impitoyable parce qu'on en reçoit tellement bah, oui. qu'on ne peut pas forcément tout lire. Donc, l'aspect, le, le, euh, on est quand même en bande dessinée. Donc, euh, le, le dessin, nous, rien que sur le dessin, on élimine déjà les trois quarts. Quoi. Parce que quand c'est pas au niveau, c'est pas au niveau. quoi alors on peut rater des Et choses ça c'est dur à juger alors ou pas euh, bah, ouais mais bon enfin oui c'est dur à juger mais c'est après on est avec notre subjectivité euh, de toute manière on est quand même aussi dans des métiers de subjectivité quoi. Mmh. donc euh, après euh, quand on est dans une maison d'édition on reçoit plus d'une centaine de projets par semaine euh, donc sur la centaine tu as quand même un paquet de gens qui font ça en se disant Ah ouais, je vais faire une BD, bon j'ai commencé à dessiner la semaine dernière, ou alors je fais des petits crobards, j'ai 65 ans, je fais des petits crobards gentils, ça va être super, je vais raconter ma vie. Ça, c'est quand même le, le, une grosse moitié des projets qu'on reçoit, donc c'est très facile et, et rapide à écarter. quoi euh, Après dès qu'il y a un intérêt ou des doutes, hein, ça, ça c'est lu. Ce qui est plus compliqué, c'est de répondre à tout le monde. Donc là, ça peut prendre ouais. du temps, ou voilà, des fois, bah, ça, on ne on répond pas. On le, désolé. Mais, euh, mais en tout cas, c'est lu. Quoi. Et s'il y a un intérêt, euh, les auteurs le savent. Il <laughs> n'y ouais. a pas de problème. D'accord. Donc, il y a votre première rencontre. À partir de cela, il y a des échanges. Et puis, vous décidez de travailler ensemble. Comment ça se passe après Comment ça se construit une relation donc, entre un auteur et un éditeur euh, sur, euh, sur ce genre de projet, sur un premier projet comme ça bah, moi dans un premier temps j'ai surtout euh, bah, c'était ma première BD mon premier scénario mes premiers crayonnés mes premières planches ancrées du coup j'ai fait beaucoup de moi j'ai l'avantage aussi d'être en région parisienne donc j'ai fait beaucoup d'allers retours dès que je, dès que je finissais quelque chose qui me paraissait important je venais so je soit je l'envoyais soit je je venais dans les dans les studios et du coup je j'ai eu vraiment un échange au fur et à mesure des étapes ce qui m'a permis un peu de de me rassurer parce que moi j'avais surtout besoin de me rassurer parce que de, quand tu signes chez Dargo, t'as un peu l'impression de faire un hold-up quand c'est ta première BD. Tu sais pas trop... Non, c'est vrai que c'est pas anodin. Ouais, ouais, tu sais pas trop si ouais, c'est... Oui. Ouais, ouais, tu sais si enfin, le syndrome de l'imposteur, tout ça, tu sais pas trop si c'est mérité, si vraiment ils ont bien lu mon dossier ou pas. Du coup, j'avais besoin d'être rassuré un peu toutes les 30 secondes. Du coup, moi, j'ai beaucoup... Euh... J'ai beaucoup échangé avec Thomas ou avec Yuan, encore une fois. Donc là, c'est un peu l'éditeur euh, papa poule ou maman. Oui. Euh, que, ouais. Bah, en fait, c'est marrant parce que euh, là, là, c'est une situation en miroir. C'est à dire que nous aussi, on avait besoin de se rassurer. C'est à dire que euh, on, si on, toi, on... tu veux dire, merde, ah, j'espère que j'ai pas fait une connerie. Euh, bah ça, on, on, ça on, se, on, on pourrait, on pourrait se le dire, mais sur tous les livres. Franchement. Le non, 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 mais même avec quelqu'un qui a déjà fait plein de trucs, tu sais pas en fait. Un, un livre, c'est hyper facile à foirer. Hein. Euh, tu peux rater ta fin tu peux rater la manière le ton l'angle de vue l'approche et tout donc euh, on sait jamais on n'est jamais sûr de rien en fait hein. euh, même avec euh, les plus grandes stars ou quoi c'est pas c'est pas le c'est pas le sujet mais euh, la, le statut qu'on a c'est pas c'est pas le, le, le truc c'est le livre donc on avait besoin de se rassurer entre guillemets c'était juste de savoir bah, comment on va faire mener cette histoire est-ce que comment Sylvain va le faire euh, donc on, on t'a déjà demandé d'écrire un scénario en fait euh, plus 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 détaillé quoi et puis bah il y avait pas de problème majeur quoi il y avait des endroits ici ou là peut-être où il fallait euh, resserrer des vis ou euh, ou enlever des choses je me souviens même plus en fait oui et il me semble que euh, tu m'as tu m'avais bien aidé un peu à resserrer à, à surtout me dire les choses qui étaient pas nécessaires et, non, ouais, et même ouais. tu m'as ça m'a un peu appris aussi à écrire un scénario des, moi je faisais beaucoup trop de descriptions et des choses comme ça qui dans un scénario, il n'y avait pas trop besoin de le faire, du coup j'ai pu euh, j'ai bah, sur trop... le tas. Ouais, surtout que vu que tu dessines en même temps que tu es auteur, en fait, t'as pas forcément besoin de toi-même te faire un script dé 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 détaillé si ton univers il est dans ta tête et que tu sais euh, ce, que tu, ce que tu veux faire. Ou oui, peu... oui, exactement. J'ai essayé de le faire de manière hyper académique sur le, sur le premier. Et le mmh. deuxième, j'ai vraiment fait plus ouais. un storyboard qui était un peu plus naturel où j'avais pas besoin de pas besoin d'expliquer de, de, à l'écrit ce que, ce que je voulais présenter. Quoi. Donc, euh... Voilà, c'est là où, ça, où le, le, je parlais d'apprendre de, de, à se connaître c'est effectivement sur le tome 2 euh, Sylvain, Sylvain me dit euh, bah, je vais faire le storyboard et puis on parlera à partir du storyboard il me dit très bien il n'y euh, a évidemment aucun problème au, au final ça, ça reste pareil ouais, c'est une sais, façon de faire qui change va, va, quand même voilà, ouais, ouais, c'est la façon de faire qui change mais le, 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 la finalité c'est de parler de, du rythme euh, du rythme de l'histoire sur l'ensemble sur certaines scènes et tout ça donc euh, avec un storyboard c'est même encore franchement beaucoup plus simple pour l'éditeur quoi oui, bah, parce qu'il n'a enfin, même pas besoin de se voilà. représenter les choses, ouais. puisque le storyboard don, don, voilà. donne déjà un, une image. Un scénario écrit, ça reste relativement abstrait. Hein. Mmh. Euh, oui, on peut juger du rythme global, mais c'est plus compliqué. D'ailleurs, ce moment-là a été hyper appréciable sur le tome 2, où on a un peu revu les pages, ouais. les, les scènes à couper, les, les choses à recadrer, des, des choses qui pouvaient faire une double page, et justement des doubles pages qui pouvaient faire en fait, mmh. une page un peu compressée. C'était vraiment un chouette moment d'échange, ouais. ouais, ouais, parce ouais, que ce n'est pas... Euh, c'est pas jugeant c'est juste ça pourrait être encore mieux si on fait ça du, du coup c'est vraiment de, de... quand l'éditeur est, est adorable c'est est encore un, un moment hyper, hyper agréable donc moi c'était un moment où j'ai appris où, où je sens que j'ai un peu level up en l'écoutant et du coup c'est c'est génial quoi bah ouais, ouais, c'est super parce qu'il y, y avait aussi la phase des dialogues où c'est euh, où c'est intéressant parce qu'on repasse sur on repasse ensuite sur y il y a eu la narration les pages après les mmh. pages sont faites après y a les, après y a les dialogues donc là on, on se met autour d'une table et puis on passe sur les trucs qui qui nous paraissent euh, soit perfectibles, soit euh, pas nécessaires, où il manque quelque chose, où il y a des choses en trop. Il y a des euh, dialogues qui parfois disparaissent et tu laisses juste une case sans sans les dialogues ou ça ouais, nécessite de où retravailler. Une, la... Où on peut euh, regrouper deux bulles en une ou, ouais, ouais, ou ouais. en découper une en deux, ce genre de choses, toujours avec euh, l'idée que ça soit le plus fluide et le plus clair euh, et le plus efficace. Mais après, c'est toujours ça aussi. Euh, c'est la décision de l'auteur hein. c'est euh, jamais le livre de l'éditeur hein. c'est toujours le livre de l'auteur quoi donc c'est pas il y a pas pour moi il n'y a pas euh, t'as pas fait le mec euh... non, non mais moi c'est pas c'est pas euh, je suis hyper fier je suis hyper content euh, voilà mais c'est pas mon livre hmm. c'est le livre de Sylvain donc c'est Sylvain qui a toujours le dernier mot quoi c'est que si on pense que ça c'est pas très bien on va lui dire il y ah, nous on pense que ça c'est pas bien mais s'il y tient, il y tient, bah, tient c'est son livre, il le fait C'est lui, lui, très... lui qui a le final cut toujours ouais, parce qu'on est quand même très très loin de la vision ultra tyrannique de Thomas que tu nous avais livré l'année dernière quand même, Oui, de, oui mais le... là. Bah, bon, là il est là, du <laughs> coup, je peux pas va dire du mal. Je cours pas assez vite à mon avis. <laughs> non mais ouais, mais on peut revenir sur le fait que du, du coup Thomas ou je sais pas Thomas vraiment s'adapte beaucoup euh... enfin c'est beaucoup adapté, je parle pour mon cas. À ma façon de travailler et mmh. du coup je, je, me, je me suis senti en confiance et du coup quand ils, quand ils viennent avec des remarques j'écoute comme moi quand j'arrive avec des propositions ils m'écoutent du coup c'est vraiment une façon de travailler où en plus justement chez, chez Dargo il n'y a, a pas que Thomas ou ouais, Johan ouais. qui lisent les BD ça, ça fait tout un petit cercle au, au sein du studio graphique et, et je sais pas les autres éditeurs s'ils les lisent aussi mais bah, ils lisent le projet en fait ouais. Donc, euh, y a pas de, y... mais ils n'ont pas le temps forcément de lire autant non, non, dans le détail que toi. suivi il faut que ça il faut ouais. qu'il y ait une ou deux personnes avec euh, avec Yoann, en dans l'occurrence là mais, hum. mais non non après les autres éditeurs on a tous tellement de boulot qu'on ne peut pas hum. se permettre puis ça serait pas possible parce que c'est comme euh, un trou du cul hein, tout le monde euh, les avis, tout le monde en a un quoi mmh. euh, donc si tu commences à demander avis à un autre éditeur il va dire oui mais là bon, moi je pense bien, que ça, là, ouais, là, ça, là, ça ouais. donc là ça non ça non il y, y a un moment où il faut que ça soit aussi un face à face quoi voilà. ouais. mais mais c'est cool c'est pas un face à face pas un dialogue mmh. enfin, on ouais. est entre deux personnes sinon ça devient une cacophonie quoi mais c'est cool parce que du coup quand on a ces échanges là sur les remarques tu vois qu'il y a une hiérarchie de remarques il y a les remarques qu'on fait Personnes qui ont une certaine valeur, les remarques qu'ont fait l'assistant d'édition qui ont une certaine valeur, les remarques que fait Thomas qui ont une certaine valeur, et ben après Thomas fait une sorte de tri et me dit Bon, ben ça c'est bon, et euh, ça par contre c'est important, et du coup c'est là que tu vois tout le boulot d'un éditeur, c'est de, de vraiment savoir juger ce qui est le, le plus important à corriger et, et faire un peu le tri dans toutes les petites remarques qu'on pourrait faire sur un album, de la fable au texte, à tout ça, et, et vraiment c'est là où Thomas a le pas le dernier mot, mais le dernier, le, je saurais pas le dire, mais le. Le, il est dernier juge de ce qui doit ouais, être modifié voilà, quoi. Ouais. En fait, c'est une autre manière de, 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 de définir le métier d'éditeur. Hein. C'est aussi, euh, on, on peut le tourner comme ça, c'est la personne à qui on demande constamment oui ou non. Ouais, euh, L'instance euh, qui valide. À, à tous les niveaux quoi. Ouais. Voilà, que ce soit la FAB, euh, un compte d'exploitation, euh, la communication, euh, la, la presse, euh, tout ça. C'est la personne pivot quoi, qui à qui on va dire alors qu'est-ce que t'en penses Est-ce qu'on le fait Est-ce qu'on le fait pas Et donc il faut dire oui, non. Et puis des fois, tu des fois as le droit de dire peut-être. Et voilà. Tu as, là, as juste des buzzers peu. sur ton, sur ton ouais, bureau où tu fais oui, non. Bzzz. Il est super, mon bureau. Donc c'est aussi ensemble que vous validez, par exemple, le choix de noirie pour euh, les couleurs. Tu m'avais dit que c'est toi qui avais demandé à l'avoir par, parmi un. Un panel de différents coloristes, mais c'est donc aussi des discussions que vous avez ensemble. Ouais, bah en fait, ils m'ont demandé si je, si je pensais à une coloriste, et, parce qu'eux ont une liste aussi, et du coup, j'ai cherché un petit peu quelqu'un qui me, qui me correspondait. J'avais fait une sorte de shortlist, et puis ça ils m'ont dit Bon, ça, c'est un auteur, il coûte cher. Voilà, ça parce que, Je crois que dans ma shortlist, il y avait Hubert, euh, il y avait des, euh, des gros noms, et puis après, au bout d'un moment, j'ai commencé à regarder, et puis du coup, j'étais tombé sur Noiri. Et ils avaient fait une proposition, ils, m ils avaient regardé, ils avaient trouvé ça cool. Ouais. et du coup ils ont fait une proposition tu vois encore une fois ils ils m'ont vraiment écouté et, mmh. et mon avis a, a, a de la place en fait dans ce ah bah oui oui c'est enfin euh, c'est oui ton avis compte un peu quand même <laughs> en fait... plus là, dans ce cas dans ce dans, sur ce ce sujet là des couleurs enfin c'est juste euh, hallucinant ce qu'elle fait quand même euh, noirie. quoi donc il y avait il a pas eu vraiment d'interrogation de, de notre part hein. euh, et en fait c'est Sylvain qui, qui gère les couleurs hein. il est euh, il, il aurait pu les faire en fait au départ même c'était prévu que tu les fasses ouais mais ça aurait et pris, puis, ça aurait un pris an de tellement plus. de temps que ouais. c'était pas possible quoi euh, et puis bah enfin les, les, les essais elle A fait, c'était à Dans ton... enfin, les premiers, y il avait, y, avait, y avait du boulot, mais en fait, c'est toi en fait qui, qui mène la discussion à ce sujet. Quoi. Ouais, en fait, en fait, dans les premiers. Je sais pas si c'est vraiment très intéressant, mais dans les premiers essais, elle s'était vraiment. elle a voulu vra... enfin, elle a, En fait, elle a changé de style par rapport à ce pourquoi moi je voulais qu'elle soit sur la BD. Du coup, elle m'avait fait un truc avec vachement de blanc, vachement de dégradé pour faire un peu estampe japonaise. Et chose que moi je voulais pas trop, parce que moi je voulais justement des couleurs hyper flashy, hyper mmh. brutes. Euh... Avec des, um, des ombres assez nettes, et euh, vraiment, du coup, elle ouais, était partie complètement sur autre chose. Du coup, il a fallu un peu recentrer. Non, mais c'est intéressant parce que les gens savent pas forcément, en fait, euh, connaissent pas forcément l'existence de ces phases d'essai, en fait. C'est-à-dire ouais. que tu lui présentes des plans, je te dis vas-y, mets-les en couleur, et après tu regardes, et si ça te convient, tu, tu l'engages, alors. Ouais, ouais, ils ont, oui. ils, ah ils bah ont oui. envoyé, on a fait un, une, un petit choix de pages à, à mettre en couleur qui, qui détonne, une page de combat, une page où il se passe rien, et. Et on, a, on lui a envoyé, elle a fait des propositions. Ensuite, on a renvoyé avec euh, d'autres demandes. Et puis, euh, et au final, ça a matché vraiment. On peut parler de la trame Oh, tout Jésus, la trame. Non, mais ça, c'est un bon exemple de. de, ouais. de, de... Parlez-moi de la trame. Bah, euh, moi, j'étais contre. Il y a, en fait, il y a plein de <laughs> pages bah, partout, en fait. Oui, oui, non, tu euh, n'aimes pas la trame. En fait, non, mais non, non, non. Il a, en fait, il y a un moment où Sylvain euh, nous envoie des pages euh, de couleurs hein, euh, qu'il avait vues avec Noirie, et puis il y avait plein de, plein de trames euh, en fond de case et tout. Quoi. Et mmh. moi, je dis, moi, je lui ai dit, mais moi, je trouve que ça crée une distance, euh, ça rend un côté euh, arty, euh, je ne suis pas pour. Bon, bah, au final, elles y sont dans le livre. Ouais, bah, voilà. Comme je suis contre les dégradés numériques, mmh. j'ai demandé à ce qu'ils soient euh, bruts, les dégradés. Du coup, ça passe par des euh, par des petits traits ou ça passe par une trame en fait qui crée un dégradé. Et du coup, ça, Thomas n'aime pas. Ouais, mais j'ai appris à aimer euh, Sylvain. Tu m'as fait, euh, oui. fait bouger. Voilà, donc ça, c'est voilà, <laughs> des, des points de, voilà. de désaccord. mais où... Ouais, voilà. mais au final, euh, Sylvain, il tenait. Moi, ouais, j'ai bon, vraiment hein. essayé. Hein. Mais euh, il y tenait, donc euh, voilà, c'est sa décision, et puis bah, tout, tout va bien, il n'y a aucun problème. Quoi. Et c'est aussi ensemble, alors que vous avez la discussion sur la FAB, où euh, tu fais les propositions du format du, euh, non, 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 du papier... En... c'est vas-y mais on en parle ensemble, c'est ah. pareil quoi. Oui, oui, on en a, on en a vachement parlé, ils m'ont proposé euh, bah, plusieurs formats aussi, euh, les, les, les formats types de Dargo, les, ce que j'imaginais, et du coup, on, a, on, on était un peu tombés, euh, tombés d'accord, parce que je crois qu'à la base, on m'avait proposé un format un tout petit peu plus grand, le, le format roman graphique. Et puis moi, je trouvais ça un peu trop imposant parce que je voulais au plus m'éloigner de la BD franco-belge. Et du coup, on était tombé d'accord sur ce format-là, qui est un tout petit peu plus petit que les romans graphiques, mais juste ce qu'il fallait pour que, en termes de... que l'épaisseur soit hyper agréable en main et que euh, ce soit pas intimidant pour un public euh, peut-être un peu plus jeune, parce que moi, je fais partie... Euh, J'ai 33 ans et moi, il y a vraiment des trucs que j'achète pas parce que juste le format m'intimide. Parce ah ouais. que je trouve que ça... Je le lirai pas dans le métro, je le... Faudra que je sois bien posé pour le lire chez moi et du coup il y a plein de trucs que je justement je prends pas à cause de ça et moi c'est hyper important le. C'est juste des bouquins, faut pas être intimidé, à ce ouais, Moi tout m'intimide. Ils vont, ils ouais, vont pas mais mais manger. Il hein. y a une perception aussi. Euh, de... Après il y a peut-être une perception de ah si c'est ça ce format là et que ça ressemble du coup au bouquin que, euh, que effectivement des auteurs bah... ultra exigeants publient là tu vas dire ah non c'est pas ça va. Oui mais euh... c'est vraiment aussi par rapport au, au fond par rapport à ce que c'est vraiment Yojimbot. c'est à dire qu'on est quelque part à la croisée. Euh, euh, à la croisée du comics du manga de la bande dessinée mmh. franco-belge quoi donc euh, le format correspond à ça euh, donc on est à la fois dans du cartonné pour le côté album euh, qu'on trouve tout le temps enfin qui a vraiment le, le, le format le standard euh, hein. ultra classique dans notre dans notre beau pays et euh, et en même temps c'est plus petit ça se rapproche du comics euh, et voilà et puis on a une esthétique ça se passe au Japon et ça c'est une esthétique japonisante quoi donc ouais. on est on, le format correspond aussi à cette croisée des chemins quoi et justement à un moment on avait même parlé vraiment d'un peu plus draguer le public fan de manga on en... En faisant un souple, ouais. peut-être un tout petit peu plus petit mais du coup il se trouvait que ça faisait un peu trop, euh, trop racoleur et ouais. du coup il fa fallait trouver une sorte de format euh, un, un format un, un peu mixte euh, entre toutes ces, toutes ces disciplines que sont le, le comics, le manga et le franco-belge et c'est pour ça que vraiment ce format on est vraiment tombé d'accord euh, en termes de fable, en termes de... Euh, pour la couverture aussi il fallait un truc un peu pop un truc un peu un classique et qui rassure aussi le, le, le lectorat franco-belge du coup euh, Vraiment, on a trouvé, je pense, le, le truc qu'il fallait. Ouais, 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 je pense qu'on peut être content. On a, on, a, on a réussi quelques trucs avec le Jimbot quand même. Quoi. Parce que ce qui est vrai, et ce qui est un peu euh, à la fois un avantage et pour moi une difficulté avec le Jimbot, c'est aussi de savoir, du coup, on, on en parle un petit peu avant, c'est de savoir à quel public tu t'adresses, justement parce que tu es tellement à la croisée. Des, on va dire, des trois grands courants de, de la bande dessinée, que si tu t'adresses à tout le monde, parfois tu t'adresses à personne. Et enfin, c'est l'écueil justement que j'imagine vous devez éviter. Mais pareil pour la tonalité. Parce que voilà, nous on est en, entre trentenaires. Euh, ou presque mais mais, euh, mais ça c'est euh, un, un album c'est un album qui trouve aussi son, son écho auprès d'un public jeunesse ouais. et donc c'est à savoir bah alors est-ce que tu vas effectivement plus draguer un public de, de, de jeunes ou alors des, justement des lecteurs de comics qui on le sait sont plus vieux et justement ont tendance à simplement vieillir donc c'est ça c'est un, un équilibre super compliqué en tout cas j'ai l'impression pour ce type de bouquin particulièrement bah, à gérer pour, pour ma part en termes de création après tu parleras du côté euh... Marketing, mais pour, pour moi en tant que création, je m'étais juste dit la BD que j'aurais voulu lire, que ce soit à 30 ans ou à, ouais. ou à 15. Et du coup, c'est la euh, premières remarque qu'on m'a fait c'est euh, te force pas à viser un public, juste fais ta BD et on verra après qui l'achètera. Et c'est plutôt dans de cet ordre-là où il fallait pas que je me bride. Il y, y a un peu de violence graphique, il y a. Bon, il n'y a pas de sexe, mais il y, euh, y, a, y a des combats, il y a des moments un peu plus. Euh, un peu plus cartoony, un peu plus gentil. Il y a quand même des, des, des têtes coupées et des, y a des y a Des, têtes et des coupées, animaux bon. à sacrifier. Il hein, faut le dire, <laughs> quand même. <laughs> okay. bon. Non, mais voilà. Et du coup, je me suis vraiment pas bridé. Je me suis vraiment rien interdit. J'ai juste rendu les, les, les scènes, on va dire, violentes, un tout petit peu plus graphiques et un tout petit peu moins trash. C'est pas édulcoré non plus, mais bon, on va dire que ça passe. Tu ne pourras pas faire des cauchemars à des gamins de 12 ans. Voilà, c'est pas gratuit, on comprend que c'est symbolique. Quand il y, quand, mmh. quand y a de la violence, elle est symbolique, elle, est, elle sert à la narration. Elle est pas, euh, voilà, je ne suis pas sur découper des têtes parce que je trouve ça cool. Voilà, c'est narratif dans cette histoire. Ouais, moi, sur ce côté euh, public visé ou quoi, euh, je ne sais pas à quel point je suis soit. Euh soit rétrograde, soit élitiste, soit euh, je m'en foutiste. Mais en fait, trois adjectifs super amélioratifs. Hein, ouais, ça, mais, ça donne je, envie. mais en fait, <laughs> on... il est bon aux entretiens d'embauche. En euh, <laughs> ouais, 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 ça a toujours été mon point fort. <laughs> euh, non, c'est qu'en fait, c'est, en fait, c'est euh, en fait, la, la difficulté qu'on a avec la bande dessinée, mais qui est un, mais qui est un, qui fait toute sa, tout, tout, son intérêt et toute sa gloire en fait, c'est qu'en fait, on ne sait pas à qui on s'adresse. Alors oui, si évidemment, si tu fais un truc ultra euh, un télé un télé arti euh, faut avoir mille références. Oui, tu t'adresses pas à un gamin de 12 ans quoi. Mais euh bah, c'est ça. Moi mon fils, il a 12 ans, il avait donc 11 quand quand le tome 1 est sorti, il est totalement fan. Et euh, et, et, on, et bah, moi je suis fan aussi. Euh, voilà, on, on est, euh, on, on peut avoir 35 ans, 40, euh, voire 50, et adorer et adorer une bande dessinée qui est aussi lisible par un par, un, par un gamin de 10 ans, quoi. c'est c'est peut-être la grosse particularité de la bande dessinée, euh, toujours, en tout cas. Donc euh, après le, le, il y a quand le, même ce côté pragmatique de mes contre, bah, Comment côté, le, le, le comment le, le présenter au public C'est hein. le c'est la c'est la prégnance de l'économie qu'on a absolument partout. C'est à dire que euh, on a besoin hein, de communiquer, de faire du marketing. Euh, évidemment qu'on a besoin de ça, que c'est primordial. On met mais, on mais, euh, mais c'est un peu comme c'est un peu comme un, un, peu comme un, un livre, euh, on sait jamais ce qui a marché vraiment, on sait jamais si on a vraiment rempli la mission qu'on s'était qu'on s'était assigné. Euh, encore une fois, c'est pas une science dure. Donc euh, des fois, tu te dis tiens, ça ce bouquin en fait, c'est pour des jeunes adultes et puis oh surprise, euh, en fait, c'est euh, tu es récompensé à Montreuil, en fait, c'est pour les gamins mais tu peux pas forcément euh, il peut y avoir des surprises en fait quoi. Il, y a, il y a surtout là où je veux en venir en fait c'est surtout qu'il y a, des, il y a pas, des, 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 des vraies petites cases bien fermées euh, euh, j'y crois moyen en fait, ouais. c'est à dire qu'il y a des lecteurs un enfant de 8 ans un enfant de 8 ans, euh, il, a, un, un de 8 ans il, il est capable de lire des choses qu'on soupçonnerait pas et il est incapable de lire des choses qu'on pensait faites pour lui euh, ça dépend vraiment des gamins. Quoi. Mmh. Donc c'est hyper compliqué. Alors, et et l'édition jeunesse surtout, euh, et ça vient, de, ça vient évidemment des États-Unis, hein, cette histoire, comme toujours, euh, l'édition jeunesse avec ses grilles d'âge de, 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 de lecture, ça c'est pour du 7-8. Mais excusez-moi, enfin, voilà, je trouve ça pathétique. Il mmh. euh, y a des enfants de 7 ans qui sont, capables de, qui sont capables de lire des romans de 300 pages qui sont faits pour les adultes. Il n'y en a peut-être pas beaucoup, mais il y en a reste toujours particulier, la jeunesse, parce que c'est censé s'adresser à un public jeune, mais c'est les parents qui les achètent. Donc, il ouais. faut draguer les parents. Ouais, donc, on drague en... les parents alors que c'est fait pour les enfants. Enfin, c'est ça, voilà. Un peu... tu... Parce qu'un enfant s'en fout qu'il y ait son âge écrit sur une ouais. couverture. C'est même ça, plutôt réputé. Oui, justement. En fait. <laughs> et et c'est hyper important de ne pas les, de, de les draguer de loin, de les, mais en, en faisant en sorte que les parents soient un peu rassurés aussi. Moi, je sais que ma, ma BD, il y a eu beaucoup d'achats de, de mamans bien conseillées qui, à, à qui on a filé la BD. On, on, on lui a donné un ordre d'âge. On l'a fait, c'est pour les, les 10-12 ans. Du coup, ça, ça rentre parfaitement. Du coup, il y a eu beaucoup d'achats de cadeaux comme ça aussi. Et justement, peut-être ça, ça rassure d'avoir un, un ouvrage qui est, qui est justement pas, pas genré, pas, pas assigné à un âge en particulier. Ça permet de dire, bon, bah, on va essayer. Oui, ouais, ouais. c'est de l'aventure tout public en fait. Quoi. Mmh. Donc le tout public, il commence euh, à 10 ans, à 12, à 14, euh, ça dépend. Mmh. Mais euh, ça fait une grosse fourchette quand même, hein. elle est assez large là. Il y, y avait eu de l'appréhension au moment de la sortie du premier album, il y a un an On avait évoqué la question avec Sylvain, mais, euh, mais de ton côté. De, de ma part euh, Oui, ouais, l'appréhension... Euh... Le truc c'est qu'au bout d'un moment t'es un, es, es un peu obligé de, de mettre il faut arriver à maîtriser ses émotions quoi, parce que sinon tu, tu, tu souffres beaucoup quoi. Donc euh, t'as plus de l'attente que de l'appréhension. Euh, tu espères que ça va bien se passer. Quoi. Voilà. Ouais. Euh après euh, de la préhension vraiment euh... non moi j'étais relativement confiant mais euh, mais c'est toujours pareil en fait tu 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 sais pas si euh, tu sais pas où c'est quoi un succès euh, en bande dessinée aujourd'hui euh on aurait fait 8000 exemplaires euh, on aurait été hyper frustré mais c'était pas mauvais donc pff, bon voilà les chiffres bah, ça dépend de ton, de, de ton tirage aussi mais il y a as quand même des des, des des ordres de grandeur qui t'indiquent si ton si ta Bd bien a marché sûr. ou a, ah, bah, coup... bien sûr je sais si ça a marché ou pas il si y, euh, y a plusieurs manières de marcher euh, euh, bon alors quand, quand tu as un auteur euh, un, un auteur qui quand c'est de la création vraiment en direct euh, es, c'est hyper important que ça marche évidemment quoi euh, mais ça peut aussi marcher d'un point de vue critique bon ça, ça fait pas bouillir un armite hein, le succès critique mais c'est déjà bien quoi il y, a, il y a différentes formes de succès vraiment là on a les deux donc c'est du pur bonheur euh, est ce que j'étais inquiet non j'étais très euh, j'étais pas très inquiet j'étais euh, j'étais inquiet dans le sens où, euh, où je pensais vraiment que ça méritait de marcher quoi vraiment quoi parce qu'il y avait tout ce qu'il fallait pour que ça marche auprès d'un public relativement large euh, pas seulement de niche, quoi. Donc, euh, le, 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 la question c'était de savoir si ça allait sortir de la niche naturelle, euh, voilà. Ce qui est plutôt le cas, a priori. Et puis, y a ce n'est même... qu'un début. Puis il y a aussi, oui. quand même, euh, ce sacrement, ces, ces nominations euh, au Festival d'Angoulême, x2. Oui, <laughs> Donc, quand même, euh, Sylvain. Ta, ta réaction, va bah pas à chaud du coup, mais c'est vrai que j'aurais dû aller chez toi le jour, le jour de l'annonce. En plus, de toute façon, vous étiez au courant un petit peu avant, non en général. Ils oui, soient, oui, vous oui vous au courant euh, un petit peu avant. Hein. une semaine avant. Donc, euh, euh, c'était quoi en, quand même avant. Mmh. Quand tu apprends, tu reçois un mail, tu reçois un coup de fil de Thomas, je tu reçois un coup de fil de Thomas très content. Mmh. Et euh, mais moi, vraiment, je tombais un peu dénu parce que je... Forcément, on se, quand, quand on fait de la BD, on se dit Ah, oh, Angoulême, la petite statuette et tout. Ouais, ta première BD. Un, un jour, peut-être, qui sait Et là, en fait, euh, je, je dois avouer, moi, ça arrive un peu vite. J'ai peut-être pas trop le temps de me projeter, savoir ce que ça signifie, tout ça. Et... mais en tout cas, je suis un peu sur, euh, je suis hyper intimidé par cette nomination et du coup. Euh... Et du coup, moi aussi, je sais pas trop comment réagir. Des, des fois, je suis un peu euphorique et des fois, je fais Non, c'est bon, ne te montre pas la tête. Non, non, ne te montre pas la tête, Sylvain. Oui. C'est honorifique, c'est super agréable, mais euh, voilà. Euh, et moi, ça me fait <laughs> des stickers sur ma couve et j'adore les ça, stickers. On, on rigole bien, en fait. C'est quand même mieux que le stickers combiné, du coup. Euh, <laughs> alors que, bon, là, c'est vrai que là, pour Johnny vous avez choisi Atom comme partenaire. Le disant que le combiné, c'était marrant parce qu'il y avait un personnage, un des robots qui s'appelle aussi combiné. Du coup, on se disait Vas-y, ils ont négocié le nom d'un personnage <laughs> pour le truc. Non, même pas alors même que même non. Pas. non. Non, et, non, non. et heureusement, mais du coup, c'était un peu confusant euh, à, à, à ce moment-là. Non, mais c'est rigolo parce qu'on a... Là, là on, est, on parle... Bon, enfin, Sylvain est là, évidemment, donc, mais, on, mais on parle quand même d'une belle histoire. C'est-à-dire que ça a viré au gag. En fait, j'ai appelé Sylvain pour dire, ah, j'ai encore une bonne nouvelle. Donc, on a, on a quand même enchaîné les bonnes nouvelles. Quoi, donc ce qui n'arrivait malheureusement pas toujours. Euh, voilà, donc là, c'était cool, vraiment. C'est mmh. vrai qu'en général, si tu m'appelles, c'est bon signe. Ouais, mmh. ouais. Ok. À mon avis, c'est plus par mail que tu devrais passer. Si ouais. c'est une <laughs> mauvaise nouvelle, tu tu feras. Je ferais ah, m'a pas appelé là pour ben, tout... Tu lis pas tes mails donc je serai obligé de. te... À ton avis, pourquoi? C'est pour ça qu'il veut pas aller lire, parce qu'il sait que c'est que des mauvaises nouvelles. Moi euh, mail, c'est pas des bonnes nouvelles en général. Effectivement, il se protège, quoi. Donc, c'est ça. Donc, il se protège. Il est intimidé par ses mails, par les, par les prix et par les bandes dessinées qui sont trop grosses dans les, okay. dans les librairies. Sylvain, il va falloir faire une thérapie un petit peu. Non, là, pas y aller. Je te le conseille. Question aussi. Comment on aborde un tome 2? Qu'est-ce qui a changé par rapport à, au, au premier tome quand même, quand le, le, le premier sort? Donc, c'est vrai que tu disais aussi quand même la, la, la petite partie webtoon aussi, qui était, ben, un, un supplément. Ouais. en fait, qui permettait de, de faire vivre son hiver. Puis après, ben, euh, le tome 2, donc on sait que tu avais quand même l'histoire grosso modo déjà planifiée dans son ensemble. Est-ce que ça va plus vite alors Est-ce que c'est plus simple Est-ce qu'il y a moins, limite, moins d'échanges ou plus d'échanges Tu disais avant qu'il y avait eu quand même pas mal de discussions enrichissantes avec Thomas. Voilà, comment, ça, comment on fait euh, le tome 2 Est-ce qu'il faut se dire aussi, euh, merde, voilà... Euh, Admettons que j'ai conquis ceux qui ont en tout cas pris le tome 1. Comment je fais pour parler des soirs Comment je fais pour enrichir l'univers et tout ça Bah je dirais que c'est un peu plus tétanisant un tome 2 parce que on le, le, le premier tu parles pars la fleur au fusil, tu fais t'enchaînes en, les pages et t'es content de voir les pages s'accumuler et puis à un moment tu fais, ah non mais là c'est bon j'ai fini. Un tome 2 tu sais la charge de travail que ça va être. Ouais. Du coup, quand tu le commences, quand tu commences ta première page, tu fais, ouah, j'en ai encore 149 à faire. <laughs> et, et, et déjà, t'as du mal à t'y mettre parce que tu fais, non, mais j'avais une impulsion sur le tome 1 et t'as du, du mal à, à relancer un peu la machine. Là, là j'ai ce sur le tome 3 aussi. Tu vois, une, une, la, la, la première, c'est la plus dure à tomber parce que tu as du mal à te dire, là, c'est bon, elle est finie, je peux passer à la, à la page 2. C'est toujours la, 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 le lancement qui est toujours un peu dur. Le, le, le tome 2, j'ai enfin, eu l'avantage, j'ai fait euh, tout le storyboard en vacances, euh, bah, euh, le cul dans le sable et tout, j'étais trop bien. <laughs> et ensuite, quand j'étais revenu sur Paris, euh, après les échanges qu'on a eu là, je me, suis mis, euh, je me suis mis au travail. Mais, euh, mais à part l'appréhension de savoir tout, tout ce que ça va être, l'histoire, on, on la tient, on, on sait. Euh, C'est juste dur de savoir où est-ce qu'on la coupe. C'est toujours le problème de. Moi, moi j'ai un récit un peu fleuve, j'ai pas forcément des gros pics qui font une fin. Et du coup, c'est plus euh, ce truc-là de savoir, là, on s'arrête. Hmm. Et ça, maintenant, j'essaye de le faire rentrer dans 150 pages. D'accord. Ouais. Du, du coup, c'est ça les grosses questions. Ça, C'est un peu plus technique, on va dire, les appréhensions sur un tome 2. Mais, euh, mais, mais c'est plus agréable. On avance plus dans le dessin que juste de savoir si on sait le faire. Tu dessines de façon chronologique quand tu attaques... Euh, ouais, euh, je préfère euh, dessiner bon, ouais. de façon chronologique comme ça. S'il y a un petit gap de dessin ou quoi, ils se, il se voient que si on feuillette la page 1 à la page 150. Alors que euh, si, si je le faisais de façon euh, à dessiner les scènes que je préfère en premier, on verra un petit. Euh, un, un, bah, un, un décalage. Je puis me répète. A, puis il y a cet équilibre aussi à avoir entre euh, le fait de repartir donc oui. dans un univers que tu as déjà présenté, donc de, ré, de, enfin de, de rejouer avec les personnages que les gens connaissent déjà, mais c'est les deux, c'est la suite. Donc il faut aussi de la nouveauté. Et là, tu as aussi un équilibre à, à manier sur le, le rapport, euh, on va dire. Euh, nouveauté sur, euh, sur ce que les gens connaissent déjà. Oui, ça, il faut éviter de faire des redites, il faut éviter de réutiliser les mêmes, euh, les, les, mêmes team, les mêmes mécaniques, il faut, faut trouver un peu autre chose, il faut ramener des, des personnages, il faut les ramener de manière un peu naturelle et pas euh, on tombe sur lui, bah, tu nous suis. Même si c'est un peu ce que j'ai essayé de faire, mais un peu de manière plus, plus chouette. Et puis du coup, oui, c'est tout un tas de nouvelles choses où il faut pas refaire la même chose qu'avant. Il faut faire mieux, il faut faire plus. Sans aller dans le grandiloquent, mais juste il faut, faut améliorer ce qu'on sait déjà faire et il faut voir sur quelle brique tu peux poser une autre brique et, sans que tout s'effondre. Et en gardant en tête l'architecture, la le plan le plan général et de ne pas se perdre et d'arriver au but qui est de raconter une histoire, le fameux arc narratif. Oui, c'est ça, sur une série, c'est dur de, de savoir, parce qu'on a des nouvelles idées pendant qu'on écrit. Et des fois, on se dit, waouh, ouais, mais je pourrais faire ça Et en fait, bah non, ça te prend un tome de plus. Bah Le tir excellent, tu pouvais pas le faire du coup. Non. C'est ça. Voilà. Bah, on, on en avait parlé. Hein. Je sais pas si étais au courant, mais. <laughs> le truc, ouais, c'est ouais. que t'as as quand même ce rôle de, de conseiller, enfin de, de supervision derrière, où tu lui dis, ouais, fais gaffe ouais, parce ouais, que ouais, là, tu peu, peux, tu un, pourrais y un peu ça. Y a, on a, on a eu plusieurs, euh, plusieurs échanges aussi à un moment pour. Euh... Déjà pour me rappeler, mais c'était une, 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 une manière hyper habile de ma part de, de rappeler aussi à Sylvain l'enjeu le, mmh. général du truc. Euh, l'enjeu particulier, euh, ce qui est en toile de fond, qui est le moteur du récit. L'histoire des d'ayant quoi Donc ça, deux, trois fois, je suis revenu chez, vers Sylvain pour dire, en fait, tu peux me redire, c'est quoi en fait, exactement cette histoire voilà, ouais, C'est important de ne pas perdre de vue le, le, le fil rouge de l'histoire. Que, que vraiment on continue de le suivre, qu'on ne se dise pas, bah non, là c'est un... C'est un album pour rien parce qu'on n'apprend rien et on n'avance pas quoi. Bah de toute façon, ce que je t'avais reproché il bah y a un an, c'était de dire ok, on a ton univers, mais on ne sait pas trop, il n'y a pas de lore, enfin le lore est pas trop développé, on sait pas non plus pourquoi Hiro se fait poursuivre, ouais, ouais. pourquoi tout ça. Et là, on a quand même quelques révélations plutôt importantes dans dans, 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 cette, dans cet univers là. Donc c'est forcément aussi des, des choses qu'il faut qu'il faut savoir gérer pour pas trop en dire parce que c'est toujours c'est toujours prévu en 4 tome t'avais dit 4 ouais, tombs, ouais. donc tu quand même voilà arrives à la moitié de la série donc tu dois aussi t'en garder pour, pour les deux, les deux suivants et alors sur le, le tome 2, sinon de, du point de vue maison d'édition, après, l'enjeu le, l'enjeu le, sur le livre avec l'auteur reste exactement le même. Hein, il faut essayer de le faire le mieux possible, tout ce qu'on a dit. Et puis bah, après, là, il y a un enjeu hyper important sur un tome 2, c'est qu'il ne faut pas qu'il se passe 8 ans entre le tome 1 et le tome 2. Quoi. Donc là, il y a, y a l'aspect euh, euh, temporel qui, qui devient primordial. en fait. Donc, euh, et ça, c'est hyper compliqué euh, dans ma position, parce qu'il faut à la fois mettre un peu de pression, et en même temps, il ne faut pas en mettre trop. À de ce parce moment, que ça sert à rien. Ça partir de ce moment-là où tu l'appelles à 2 heures du mat pour lui dire de travailler. <laughs> voilà, ouais, ouais, non non, non je, je dors chez lui en fait. Maintenant, <laughs> vraiment... tant que j'ai pas fini ma série, non, moi, je ronfle. C'est fini ça. Non non, mais voilà, c'est hyper important. On est dans on est dans, du, dans un récit euh, feuilletonesque, donc il faut que il faut que ça suive quoi. Et euh, voilà. Ça c'est ça c'est le, le c'est peut-être même la, la plus grosse difficulté au final parce qu'en fait on, on on sait où on va. Alors après on peut se perdre, on peut faire des erreurs, on peut euh, voilà. Mais mais on sait où on va dès le départ quoi. Donc après il s'agit de voilà, il s'agit d'être au rendez-vous euh, le plus vite possible. Quoi. Enfin, bon, dans notre cas, on essaie d'être un, un ben an. Ça va, quoi. le rythme annuel, c'est quand même ah non, pas mal pour, euh... pour de la franco enfin mais du goût, bon ouais, ouais mais c'est délirant. C'est un, un boulot de chien quand même. Hein. C'est impressionnant ce que fait Sylvain. Quoi. Euh, faire 160 pages, en... enfin, 150 pages en un an, euh, c'est du délire. C'est hyper productif, c'est très impressionnant. Après le fait que Donc tu que, fasses voilà, ça. Il ne s'agit pas d'aller beaucoup plus vite, mais de ouais. pas aller trop. pas plus lentement ou pas trop plus lentement. Quoi. Le fait de travailler en numérique, c'est quand même quelque chose qui a ton avantage, ouais. d'un point de vue, bah point non, vue technologique, que... ou alors c'est juste tes années d'expérience aussi, dans... parce qu'on on... On rappelle hein, que tu étais tourneur-fraiseur, que tu as fait beaucoup de design <laughs> aussi industriel, non, mais voilà, mais que tu as pratiqué le dessin aussi. Euh... Ouais, ouais, mais en, en fait, euh, du coup, le taming, je l'ai fait sur papier. Je l'ai ouais. Et le tome 2, en cours de route, je suis passé au numérique, ouais. parce que justement, c'était en plein, en plein Covid, je pouvais plus euh, envoyer mes pages. Je, mmh. je, du coup, du coup, je voyais tout un tas de d'intermédiaires qui, qui devenait compliqué. Et, et même moi, je pouvais plus aller à l'atelier, je pouvais plus trop travailler sur mes planches de, de manière efficace. Et du coup, je me suis un peu euh, fait violence et je me suis, euh, je me suis mis au numérique. Et en fait, tout cet album-là, j'étais vraiment un peu à la traîne, parce qu'à chaque fois, je devais un peu redécouvrir. Euh, Comment bien utiliser mes brushes, comment faire en sorte que ce soit pas un trait trop, trop propre, trop ligne claire, justement, trop industriel. Du coup, il a fallu que je retrouve une sensibilité qui était beaucoup plus facile sur papier. Il a fallu que je la trouve au numérique, et qui a pris un certain temps, qui m'a fait un peu revenir sur certaines pages au début aussi. Et du coup, ça, ça a été un... ça m'a un peu ralenti. Mais là, je vois, sur le tome 3, je les pages, j'y vais direct, je dessine. Toujours en numérique, alors? Ouais. Ça, ouais, oui, des, ça des, y des est, maintenant, ces... je, je, je m'y suis fait. Euh... D'un point de vue technique, c'est quoi? C'est procreate, alors? Ou ouais, pas... c'est ouais. Pro procreate. Et puis, du coup, en plus, ça me permet de faire des calques directement dessus pour euh, mm. préparer les ombres pour la coloriste, lui donner des indications directement sur mon fichier. Et encore une fois, ça évite des intermédiaires, ça évite que j'envoie la... j'envoie mes pages à numériser à Dargo, qui me les renvoie Numériser, que je refasse un petit passage dessus pour gommer des trucs qui, qui sont mal passés, que je les intègre dans un, dans un fichier où je mets mes annotations pour la coloriste, enfin, ça, me fait gagner, ça me fait gagner un temps fou vraiment. Du coup, du c'est coup, un temps que je peux passer soit à passer vite à la suite, soit à justement prendre un peu plus soin d'un paysage, d'un décor. Mmh. C'est quelque chose que tu apprécies aussi en tant qu'éditeur, le passage au, au numérique qui s'est de plus en plus fait au fil des dernières années Oui, bah c'est vrai qu'il y, 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 y a pas mal d'aspects qui sont beaucoup plus pratiques, plus rapides, plus légers. Quoi. Euh, après, on aime bien aussi avoir des originaux en papier, c'est quand ouais. même spectaculaire. Il enfin, y, y a un rapport qui est hyper agréable, quoi, mais, euh, non, non, mais c'est ultra efficace. Et puis après, en fait, moi, je m'en fous. Enfin, je, le truc, c'est la cuisine de, de l'auteur. Évidemment, ça m'intéresse. Voilà, mais euh... bah maintenant même par rapport à ces questions de planning de production, parce ah bah, que si là, ça oui, permet non, non, de c'est clair que le, 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 le tome 2 sur Procreate, euh, ne serait-ce que vis-à-vis -vis de la coloriste déjà. C'est ça, ça ça nous a fait gagner un temps un temps pas possible quoi. Ouais, oui oui et, et ça et ça t'a permis Sylvain de gagner énormément de temps en effet quoi donc on, on serait peut-être pas au rendez-vous enfin on serait certainement pas au rendez-vous si tu l'avais si fait tout en papier parce que on a eu un bouclage quand même <laughs> un peu sportif quoi. Ah ouais ça a été donc il euh, y aurait dur. eu il y aurait eu la semaine de de scan des dernières 40 pages ça aurait, ça nous aurait mis dedans en fait quoi. Donc euh, oui oui c'est c'est assez appréciable après c'est pas une condition on s'adapte hein, euh, toujours à tout quoi donc euh, on, on adapte les en fonction des contraintes et des paramètres on, on fait ce qu'il faut quoi mais mais c'est surtout plus confortable pour toi donc c'est c'est bien quoi ouais parce que surtout bah, bah je travaille sur tablette euh, tablette graphique un iPad Pro justement hum. le logiciel dessus est vraiment fait pour et en fait ça permet vraiment en déplacement en vacances tu peux le cul tu... dans le sable le cul dans le sable exactement ça, ça permet de pouvoir bosser un peu tout le temps quand on en a envie sur un coup de tête on s'arrête quelque part et on tu gribouilles un truc et on ouais. Ouais, et on lance une page tu vois quand je, je passe beaucoup de temps à marcher dès, dès que j'ai une bonne idée et que je, vraiment je, je veux la mettre noir sur blanc je, je m'arrête dans un bar et je commence à accrobarder et puis vraiment c'est c'est l'avantage aussi c'est que rien n'est perdu quand tu bosses au numérique c'est tout euh, mmh. tu rien tu juste tu, tu crées un nouveau fichier et puis et, et, et dès que tu te dis ça peut s'intégrer dans la narration hop tu ressors ton fichier tu le mets dedans prends 30 secondes et vraiment tu, ça ça permet de gagner un temps sur la, sur la production d'une page qui est, qui est réutilisée plus tard où on se dit bah maintenant j'ai plus de temps pour fignoler mes trucs rendre le tout homogène a toujours le risque au numérique de travailler trop serré faire des petits détails mmh. pendant deux heures qui servent à rien ouais parce que justement enfin je sais pas alors si es sur parce que bon l'écran de Pro est quand même plutôt grand, mais après ça reste c'est pas aussi grand que tu peux tu peux pas jouer forcément avec une énorme planche de, pa de, de papier par exemple si tu voulais t'amuser à faire des trucs beaucoup plus beaucoup plus grands et à l'inverse ben bah, par contre tu peux zoomer à l'infini donc tu peux te dire après ouais je vais faire des, des compositions compl complètement ouf et ah, y passer encore plus de temps donc il y a ah, ouais c'est ouais, bah c'est dangereux comme comme outil c'est dangereux et après j'ai fait comme sur papier je me suis une... J'ai rendu le tout un peu plus protocolaire où je, je me mmh. suis choisi une brush avec laquelle je, ça marche bien. Il y a un, une taille de fichier définie sur la, à laquelle je dois rendre mes fichiers. Et en fait, si je dois trop zoomer par rapport à cette brush je me fais, c'est que c'est que le, le détail va être illisible après à, à, après à l'écran et ou colorisé. Du coup, je bah maintenant j'essaye d'avoir mes outils définis, le niveau de zoom sur lequel je dois plus aller. Et puis souvent, du coup, je dézoome, je vois la page dans sa globalité et ensuite je retourne dedans. C'est vraiment le genre de petit aller-retour qui est primordial à faire parce que sinon, voilà, on fait des pages vachement inégales et où, mmh. où d'un coup il y a un décor où on voit la moindre petite feuille, alors que le visage en gros plan juste après, c'est juste deux points sur un visage, tu vois. Du coup, c'est des petits, des petits pièges au numérique qu'on on apprend un peu sur le tard. Et puis là, du coup, c'est pour ça que j'ai dit que je suis vachement revenu en arrière aussi sur le tome 2 où j'ai dû. J'ai dû me dire que des choses que je faisais à la fin, je les ai pas fait au début et inversement, des choses que je faisais au début, que je prends plus la peine de faire à la fin, et il a fallu un peu tout rééquilibrer. Enfin, re refaire une sorte de chemin de fer numérique où je me dis, euh, bon, là, faut rendre le tout homogène ou au moins que la transition se, se, se fasse assez naturellement, qu'on se dise pas, bah là, il a commencé au numérique ou là, il a appris un nouveau. Là, il a découvert un nouvel outil et mmh. il utilisé l'a utilisé qu'à la fin, ouais. tu vois. Ouais, où, où, je enlève, où il le met partout et, et ça se voit. Et... Ouais, d'un coup, ça devient un peu indigeste. Du coup, il faut soit le foutre partout, soit tu l'enlèves là où tu as commencé à l'utiliser. D'accord. Et toi, tu, tu regardes aussi là-dessus, alors à euh, ce genre de, de, de détails, justement, ces ouais, artifices. Euh... Ouais, mais moi, je, peux pas, je, peux, je suis un peu comme un dessinateur, finalement, je ne peux pas me permettre de perdre dans les détails. Quoi. Mmh. Que moi, le, je regarde surtout euh, le résultat final. quoi. Par la trame. <laughs> euh, J'ai oublié ça. Euh, mais, euh, non, non, mais voilà, c'est le résultat final que je, que je dois juger parce que c'est ça qui compte. Après, ce qui, ce qui se passe avant, à la limite, je pourrais ne pas être au courant. Ça ne me regarde pas, finalement. Quand, quand, sur des, avec des originaux papiers. Euh, de, les, tous les dessinateurs ont leur routine, mais il y a un peu la même chose. En fait, c'est des routines différentes finalement, quoi. enfin d'une manière de faire. Donc, euh, mais si euh, alors évidemment, comme moi, je suis un fan de dessin, de bande dessinée, euh, ça m'intéresse de savoir quelle, est, quelle plume a été utilisée. Euh, mais bon, je pourrais ne pas le savoir, ça changerait pas forcément grand-chose pour moi. Quoi. Ouais. Voilà. Mais c'est juste un intérêt personnel. Quoi. Avec, c'est vrai qu'avec le numérique, c'est plus compliqué parce qu'on est euh, euh, tu ne pas voit, déconcentrer par le chat. Ouais. On voit pas forcément, euh, on voit pas forcément tout ce qu'il peut y avoir derrière. Et puis c'est vrai que moi là, là pour le coup, je j'ai pas touché à ça quoi. Donc euh, c'est plus, c'est un peu plus, ça met un peu plus étranger quoi. Mais il y a un aspect quand même qui est marrant parce qu'on parle quand aussi de d'origine de papiers et tout ça, c'est que bah tu fais quand même une exposition hein, sur sur jimbot euh, ouais. à la donc à la galerie euh, Imagine et Partners. Jusqu'au 26 février 2022. Donc, si vous écoutez ce podcast avant le 26 février 2022, vous êtes en région parisienne, vous pouvez aller y faire un tour. Mais justement, quand tu travailles en numérique, alors du coup, tu n'as plus d'originaux quelque part exposés. Alors, tu ouais. dois créer des, 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 des originaux en plus. Ouais, soit je réutilise des, des idées que j'ai n'ai pas mis ou des plans ou des cadrages que j'ai pas mis ou euh, du coup, je redessine une case. Mais du coup, j'en fais une œuvre. Tu vois, je, mmh. tu as une case que je trouve vraiment chouette. Je l'agrandis, je rajoute des trucs sur les bords et puis du coup, ça en fait. Euh, ça en, ça en fait une grande illustration qui est, qui est des fois un peu la frustration d'un auteur de BD, c'est que des fois il y a une case où on ne sait pas pourquoi on tombe amoureuse d'elle et on fait non mais celle-ci vraiment j'aurais pu en faire un poster et ça aurait, ça aurait marché quoi. Du coup ouais j ai, j ai, mais j'ai pu faire une sélection alors que pour le tome 1, du coup tu vends des planches que t'en es pas forcément imméga fier parce que tu vois la, 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 la couleur joue beaucoup le, le, le fait que ce soit imprimé joue beaucoup j'ai fait pas mal de retouches depuis... Depuis sa création, du coup, t'es es toujours un peu frustré. Tu fais non, mmh. mais ça, depuis maintenant, je, je la fais mieux. Alors que là, du coup, j'ai refait, refait des cases où je l'ai fait au max de ce que je sais faire en ce moment. Du coup, les, les cases que j'ai redessinées sont ce que je sais faire de mieux. Du coup, là, à mon expo, il y a vraiment des, des cases dont je suis hyper fier et je suis trop content de les voir. Je suis presque frustré qu'elles partent si elles partent. Et cette exposition, c'est toi qui l'as demandé Alors, c'est eux qui sont venus te voir C'est avec, avec Thomas que vous l'avez préparé ça, ça se passe comment non, 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 là c'est Sylvain qui a, qui a, qui a oui, fait... Ça. Oui, oui, c'est un showroom qui est une extension de, 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 de l'atelier où je suis. Où, ah, d'accord. Ou justement, euh, dès, dès qu'il y en a, qu a un de l'atelier qui sort une BD, on fait une expo, un événement qui nous permet de, de boire un coup tous ensemble. Et et voilà, c'est une sorte de on s'est pas so... du tout motivé par l'art mais par mais par l'alcool en fait. Eh, par l'alcool. D'ailleurs, il y aura des bières du j'ai <laughs> vu ça euh, où, ah. où est le contrat euh, Sylvain euh, pour les étiquettes Yojimbot euh, Mais moi c'est deux caisses hein, pour moi. <rire> <rire> Merde. Non mais euh, le, le, les galeries c'est un autre un, ça nous regarde qu'à moitié enfin, ou pas ouais. du tout en fait hein. enfin c'est les originaux appartiennent à l'auteur euh, tant qu'il n'y a pas de business autour qui concerne le copyright euh, la euh, reproduction voilà, ouais. c'est en général c'est les galeries enfin après on facilite les choses évidemment hein. mmh. donc, nous notre métier c'est de c'est de c'est de faire de la diffusion dans le sens le plus large dans tous les sens possibles quoi donc c'est d'aider euh, l'auteur et l'œuvre à, à rayonner le plus possible donc évidemment les galeries en font partie donc on aide on aide mais c'est pas nous on n'est pas intéressé là dedans hein. c'est pas euh, voilà c'est pour ça que c'est une exposition dédicace aussi enfin c'est pas juste une, ouais. une expo pour ma gueule c'est vraiment c'est un lancement pour la BD à chaque fois on en fait une bah ouais, parce que c'est avec BDnet Bastille le le, le partenaire, le partenaire ouais. et du coup ça permet de faire une journée de dédicace, d'exposition de vente euh, d'originaux et et en fait tout tout le monde y retrouve euh... Il Trouve son compte au final. Est-ce que tu as, as un peu serré les fesses au moment de l'organiser justement par rapport à tout ce qui est crise sanitaire, restrictions, sur ouais. les, les, les rassemblements, ça. tout ça Ça doit être un peu relou, même toi du coup, parce qu'avec tous les autres auteurs que, que vous gérez, ça doit être ouais, très relou. C'est hein. vraiment l'enfer, mmh. Enfin, c'est hyper compliqué, on passe, tout est, tout est devenu dix fois plus compliqué, quoi, mmh. à tous les niveaux. C'est la crise du papier en plus les en ce moment qui rajoute une nouvelle joyeuseté. La, la crise du papier qui est infernale. Donc euh, ouais non c'est très compliqué en ce moment quoi. Il y a les, les gens qui s'occupent de ça, les pauvres, n'arrêtent euh, pas de faire et de refaire et de défaire et de refaire. De programmer, d'annuler, de reporter, décaler. C'est mmh. insupportable. Bah, ne serait-ce que nous, on a dû changer notre lancement ouais. parce que c'était censé sortir pour Angoulême. Bah, bah, ouais, ouais, ouais. Du coup, du coup, ça change un peu la donne. Et ça, bah, du, du coup, vous voyez, justement, l'exposition, on l'a un peu fait à l'arrache. En on compensation un peu alors ouais. bah, on, on était censé euh, la faire pour le 9 février. Du coup, j'avais ah. encore... Euh, j'ai encore deux bonnes semaines pour faire des originaux. Mmh. Et du coup, là, ça s'est transformé en deux semaines pour faire l'équivalent d'une expo. J'ai carburé depuis que j'ai depuis que, depuis que fini l'album. Ouais, T'as pas, pas beaucoup dormi alors Pas euh, beaucoup, oui. Sur oui. les oui, oui, mais... Ouais. D'accord, très bien. Est-ce que tu peux nous en dire juste un peu sur, sur le tome 3, du coup Qu'est-ce qu'on qu qu peut savoir Parce que voilà, moi j'ai... Enfin je pars du principe hein, que, que les gens ont écouté le premier et qu'ils connaissent l'offre. S'ils écoutent un podcast dédié au tome 2, c'est à priori ils ont quand même au moins lu le, le tome 1. Donc bien entendu, le podcast sort au moment où ton bouquin est en librairie. Donc on va pas rentrer dans les détails pour euh, voilà, pas divulguer. là. C'est vraiment plus je voulais rangler sur... Votre relation de travail, sur la relation de travail entre un auteur et son éditeur. Qu'est-ce que tu peux un, peu, un petit peu nous utiliser pour cet endroit qui, est, si je comprends bien, déjà en train d'être dessiné. Alors, ouais euh... ouais, oui, j'ai commencé. On, ah, ce que je peux dire, c'est qu'on appre... On verra un peu plus à quoi ressemblait le, le, le parc euh, mm -hmm. à, à son apogée. On verra un petit peu euh, à quoi ressemblaient les robots avant parce qu'ils ils ont pas mal changé. Et puis voilà des petits, euh, des, des, encore des petits twists et puis des petits euh, des petits climax et des euh... Des des, comme ça. Il y aura des robots encore. Ah, pas mal de robots ouais. encore, euh, mais plus d'humains, plus de plus de personnages ouais. qui euh, qui interagissent. On verra un peu plus ce qui se passe aussi à l'extérieur de cette île. On, on va un peu de un, un peu exploser l'univers dans. Enfin, je vais un peu exploser l'univers dans, dans celui-là, un peu structurer les les, les personnages qu'on n'avait pas encore vus, et comprendre vraiment quelle est la, la hiérarchie de leur côté. Et tout ça. D'accord. Donc, on peut espérer une sortie euh, d'ici un an, alors, euh, de nouveau. Tu crois que tu arriveras à tenir le répond rythme Réponds à la euh... <laughs> ne, question. C'est une question de de votre éditeur. Ouais. Ne se prononce pas pour, pour le moment. Comment ouais. ça <rire> <rire> Non, mais on, enfin, on peut reparler du rythme. Que, du coup, je... bah, là, j'avance plus vite au numérique. Ouais. Maintenant, voilà, je passe un peu moins de temps. Euh, du coup, il je... y, y a quasiment de l'écriture automatique en version numérique qui, qui se passe aussi. Et du coup, c'est. Je j'ai pas de date pour le moment mais mmh. euh, mais euh, mais je fais tout pour en tout cas je fais ah comme bon, si voilà, c'est important mais c'est pas l'essentiel l'essentiel c'est de c'est de faire le, des, des, les meilleurs livres possibles quoi donc euh, tant que c'est pas euh, deux ans au lieu d'un, euh, tout va bien quoi ouais, après, histoire on, que on, les gens vaient ouais, pas oublier en fait, l'idée c'est pas de c'est pas que soit soient malheureux et malades Sylvain euh, mmh. quoi donc euh, il faut faire les choses comme il faut quoi ouais. voilà. non et puis la promotion est un peu plus costaud aussi euh, cette année donc euh... ouais. Enfin, c'est vrai, vrai comment vous choisissez, comment vous choisissez les partenaires? Bah en fait là c'est le service marketing hein, qui, ouais. qui on, on propose en permanence à plein de gens euh, les, les, les titres qui vont sortir en disant Ah tiens, ça on pense que ça pourrait vous intéresser, est-ce que ça vous intéresse d'en parler, de faire un partenariat quoi? Et euh, là c'est Atome qui, qui est le partenaire pour le pour le tome 2. Euh, ouais. ce dont on est très content. Euh, et ils ont euh, bah ils ont été d'accord tout de suite en fait donc ils aiment beaucoup donc, voilà mais c'est ça c'est le boulot de l'éditeur évidemment enfin l'éditeur de la maison d'édition hein, au ouais. c'est surtout le service marketing et communication qui s'occupe de ça okay, c'est intéressant en fait on lance des on lance des pistes voilà et puis on voit qui mort qui mord pas on relance parfois en disant ah, si c'est vraiment pour vous tu devrais lire voilà et puis euh, ça marche ça marche pas Combini ça avait été pareil ils avaient ils avaient adoré quoi et ça a été important je pense. Ok. Très, très bien. Bah, écoutez, Thomas, Sylvain, euh, je vous remercie de m'avoir accordé de votre temps, tous les deux, pour, pour ce podcast. Donc, euh, on vous rappelle que Yojimbot, euh, c'est deux tomes, c'est disponible en librairie, c'est apparu chez Darko et c'est la première BD de Sylvain Repos. Merci de nous avoir écoutés. Euh, on vous rappelle. Que le format Super Friends, il est précieux chez nous. Donc, si ça vous plaît, que vous voulez continuer toute l'année d'avoir voilà, des discussions en coulisses de, de la culture BD, de la pop culture, bah, faites-nous le savoir. Vous pouvez réagir à l'émission dans les commentaires du site et sur les réseaux sociaux. Et puis, l'important pour ces podcasts surtout, bah, c'est qu'ils soient écoutés. Donc, partagez-les au maximum. Sylvain Thomas, je vous dis au revoir et peut-être à l'année prochaine, Sylvain, pour Merci le top 3. Ciao. Merci beaucoup.